Et vous ici, bande de petites trou-de-cuf, veuillez patienter quelques secondes pour que je vérifie bien que tout est correctement fonctionnel une fois. C'est bon, tout est fonctionnel une fois. Donc, bienvenue dans de la mousse, non, j'éconne. Voici ce que vous devez sûrement connaître. Et oui, c'est bien la maison de chez Truc. Du coup, voilà, elle est là, elle est belle, elle est resplendissante. Je reprends un deuxième screenshot. Voilà. Donc, excusez-moi pour l'attente. Donc, voilà, je vous fais le tour de la maison. Aïe. Sans les bras, au pire, ça va encore mieux. Voilà. Je vous mets la maison. À quoi elle ressemble avec les shaders. Fly, Famosette, Day, pour être sûr qu'il fera toujours assez chaud. Du coup, ça change la journée. Regardez comme c'est magnifique avec le. Truc qui m'empêche de bouger. Génial, regardez comme c'est beau. Je pense que Bidoulette, elle aurait peut-être envie de voir cette vidéo parce qu'il faut pas oublier que c'est son monde préféré dans lequel elle a travaillé. En plus, c'est un Québécois, Samuel, qui a donné Youpi Yeti, là. Youpi Yeti ou un truc comme ça. Donc, son truc. Donc, regardez comme c'est magnifique. Oui, bien sûr, j'ai commencé à faire des modifications, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je vous montre un peu. À quoi ça ressemble en mode caméra. Donc voilà, rendez-vous humain parce que ça me perturbe à chaque fois. Alors qu'est-ce que j'ai changé? Bah les loupiottes déjà. Alors j'ai tout simplement changé ça. Déjà, les lampes et aussi le sol. J'ai ajouté mes fameux cubes qui permettent de faire un effet d'eau claire comme ça qui est stylé. Et pour information, j'utilise ce truc-là pour faire mes modifs. Moi, j'utilise la flèche d'or pour ça. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Donc, je trouve ça beaucoup plus beau comme ça. J'ai changé du coup le sol en bois de d'acacia à la place de l'autre bois parce que c'était ce bois là. Donc c'est un bois de quoi ça d'ailleurs en parlant? C'est de chêne. Voilà, c'est un bois dégueulasse quoi. Donc ouais, si je me trompe pas d'ailleurs, je vais devoir mettre ça du coup. Voilà. C'est peut-être un peu moins, on verra plus tard pour ça. Voilà, en bois d'acacia, peut-être qu'il y a des modifs à faire là, mais je m'en occuperai plus tard. Et du coup, moi je me trouve que ça donne beaucoup mieux que ouais, dégage, lol, que l'autre. Donc, regardez comme c'est beau l'effet d'eau, on dirait que l'eau elle est claire comme ça. C'est trop beau, ça fait trop tropique en fait. C'est encore mieux qu'avant quoi. Regardez comme c'est magnifique quoi. C'est trop beau. Et je vais encore faire blader de motifs de mon côté, de modification. Alors ici j'ai mis deux lampes différentes. Et oui. Je vais peut-être faire encore des modifs par la suite, comme j'ai dit, hein. Toujours ou toujours. Et voilà, j'ai fait en haut, j'ai rien fait à part ici où j'ai changé les lampes. Donc, c'est magnifique, c'est de trop toute beauté. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne, c'est magnifique avec les shaders surtout. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Et du coup, je vais m'amuser à faire des modifs au fur et à mesure que je fais de la visite. Alors, pour Bilou, j'ai changé le fauteuil pour que ça donne mieux comme là. Ça donne un truc un peu plus sympa. Je pense que ça doit lui plaire s'il aurait vu.
Elle ne regarde pas mes vidéos, donc ça risque pas, mais voilà. Du coup, bah, je trouve que c'est bien. Ça donne un truc un peu plus hawaïen. Quelque chose un peu plus discothèque, comme ça, je trouve, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez stylé, quand même, comme ça. La modification colométrique est vachement beaucoup mieux. Là aussi, je vais devoir faire des motifs, d'ailleurs. Je n'ai pas fait. Ah non, attendez, il y a un... C'est bizarre que ça a cassé les glaces. Qu'est-ce que j'ai besoin de... Ah, c'est parce qu'il y avait... Ah, d'accord, j'ai compris ça. Ah, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des conneries. Vous faites des conneries, comme d'habitude. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Du coup, faire des modifs. Je vais retirer toute l'eau. Voilà. Du coup, ici, je vais pouvoir mettre mon motif d'effet bleu. J'adore mettre ça, moi. Donner l'effet que j'aime bien faire. Voilà. Plus les torches qui doivent être mises partout, si j'ai compris. Plus d'endroits possibles, si j'ai compris. C'est bon, ça c'est assez correct là, du coup. Non, celle-ci que ça va pas. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Et du coup, comme j'ai compris, après, j'ai juste à mettre des verres. Tout simplement. Je vais mettre un verre ici. Pas compliqué du tout. Voilà. Et du coup, je vais remettre de l'eau. Eau. De water. Pas du tout compliqué, comme vous le voyez. Du tout. Là, je sais pas, ça donne peut-être un peu moins l'effet escompté en fait. Ah. Ouais, je sais pas. Ça donne moins l'effet bizarrement. Ah, dommage. En fait, il y a. Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est moins bien là, d'un coup. Là, je pense que c'est parce que ça éclaire le sol, en fait. Du coup, ça casse l'immersion. Bon, d'accord. Bon, bah, je referai une modification plus tard pour remettre normalement comme c'était avant. C'est dommage. Ici, ça marche, quoi. Mais ici, à mon avis, c'est parce que c'était trop profond. Et du coup, on voit, on comprend la couille, à mon avis. Et... Où j'aurais dû peut-être plus avancer le truc, je pense. Ouais, ça devait être ça, peut-être. En tout cas, ça fait assez bizarre, du coup. Ah, c'est pas grave, je suis un cas, hein, vous le savez bien. Vous le savez très bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Et voilà, la map. Hein. Allez vite visiter avant qu'il fasse nuit. Là-bas. Donc voilà la cheminée. Là-bas, vous avez un canapé là. Là, vous avez le fameux L qu'elle avait fait. Donc voilà. Là vous avez la fontaine. Là vous avez. Là.
Voilà. Là, vous avez le pont, le fameux pont qu'ils ont fait à l'époque. Et voilà, quoi, je pense que c'est tout. Et la balançoire, ici, vous avez tout ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir le. Si vous voulez. Vous avez toujours voulu voir ça en mode shaders, mais que vous n'avez pas un bon PC. Moi, en fait, je vous rends service en faisant moi-même la visite. Je vous montre à quoi ça ressemble avec les shaders. Et je vous rends avec grand plaisir les services demandés. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble avec les shaders. Et ça, c'est cool de ma part pour vous. Bon, après, vous prenez comme vous voulez, mais voilà. Comme ça, c'est cool. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. C'était sympa. Hein. Moi, je, en tout cas, ça me fait trop plaisir de pouvoir revisiter ce jeu, ce monde, cette map magnifique en mode de ça, quoi. Derrière, je vais m'amuser à faire des modifications, hein, comme d'habitude. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pas ça non plus. En ajoutant peut-être cette couleur-là à la place, en fait. Que voilà, je suis pas faire. Ça change un peu. Et sinon, voilà, j'ai fait un test ici surtout. J'aime bien cette couleur. Bon, moi, je préfère cette couleur-là, personnellement. Elle est plus intéressante. Après, c'est mon point de vue. Mais on fait un test surtout ici. Hein. Après, on peut faire un mélange des deux aussi. Hein. Peut-être ce que je vais faire, peut-être éventuellement. Peut-être qu'il y a moyen de faire des sortes de lignes de séparation ou des espèces de petites zones comme ça. À voir, à voir. Sincèrement, il n'est pas forcément obligé de tout remplir. Il y a moyen de faire des sortes de motifs, en fait, assez sympathiques. Voyez un peu l'idée. Il est à creuser, comme par exemple ici, laisser comme tel ici, et là, ben, recouvrir par exemple ici, le truc, ici, vous pouvez recouvrir, et on laisse en dessous comme tel, en fait, ça donne un petit motif, ça, c'est pas moche, etc., etc. Et éventuellement, ici, comme vous voyez, j'ai laissé comme tel, et je peux faire éventuellement ça, voilà, un truc dans le genre, je trouve que c'est pas mauvais, pas si moche que ça, vous voyez, ça fait, ça suit, en fait, la lampe, et du coup ici par exemple je peux me dire ok, ça va juste suivre la lampe et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est pas mal comme idée de motif, comme vous voyez, ça donne un truc assez sympathique, assez beau. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. Et du coup ce que j'ai juste à faire moi c'est de faire ça en fait, et hop, voilà par exemple. Bon, là théoriquement c'est perdu parce que c'est plutôt comme ça. Voilà, et du coup, entre deux, voilà, regardez, ça fait un petit. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça, y a de l'idée, il y a de l'idée. Voilà. Je pense à creuser sur cette idée-là. Sincèrement, il y a clairement quelque chose à creuser. Comme on dit, il faut chercher un peu, hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bande de touffes. Moi, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à bientôt, bande de petites saucisses grillées. Ciao, ciao. Portez-vous bien, bande de toutouf. À plus.